Wesh les victimes! J'espère que vous allez bien! On se capte aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V! Je vais passer du côté obscur. Ouais, genre les gens avec les menottes et tout là. Attention, c'est pas pour faire des trucs bizarres hein! Eh, vous allez voir comment je suis un professionnel dans mon taf, c'est une dinguerie! Vous allez être choqués! En tout cas, j'espère que vous allez kiffer! Si c'est le cas, si vous kiffez ce genre de concept, n'hésitez pas à m'exploser la barre des likes et des commentaires. Après, je vous offre une moto. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait! Activez la cloche pour ne rien rater! Sur ce, écoutez, bonne vidéo à tous! On frappe ou on rentre direct? On peut rentrer, je pense, il a pas l'air trop occupé. Ouais, je pense, de toute façon, il nous aime bien. Ça le fait. C'est le pote, t'inquiète. Ah, vas-y. Vas-y. Genre... Wesh, commandant, ça farte ou quoi, mon ref? Bien, ça check. Vous alors... parlez comment, adjudant? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais nous voir, c'est pour l'augmentation que t'as demandé l'autre jour? Vous voyez, s'il vous plaît, par contre? Oui. Oui, c'est bon, mais. Dossier, je le fais remonter à la hiérarchie. Commandant, aujourd'hui, il est un peu énervé, non? Vu comment vous arrivez, je pense, ça m'étonne même pas. Un suceur, celui-là. Oh, mais alors lui. Mais du coup, commandant, c'était quoi le but de la convocation? Alors, messieurs, bon, on est actuellement sur une enquête concernant plusieurs vols de motos. Ah, nickel, ça c'est. Ça c'est comme s'ils sont sur les barreaux. Vous me laissez parler, s'il vous plaît? Et c'est pour nous, ça, nickel. Chut! Merci. Donc j'ai épluché les quelques dossiers des équipes de la BAC. J'ai retenu le vote. Vous avez mené à peu près une quinzaine d'enquêtes. Ouais. Sur les 15, un, deux, que trois réussis. Hmm? Vous avez réussi que trois? Non. Ah non, 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 nous, l'excellence, nous. Ouais, nous, un bug. Que tout, quoi. Un bug, je pense. Ouais. Je vais vous envoyer, vous montrer quelques photos et quelques recueillements de la part de témoins. Ok. Donc, sur ces photos, c'est sur un vol de véhicule qui s'est passé il y a trois jours. D'accord, près d'un supermarché. Il était environ 21h. Un monsieur avec un Raptor. On y voit très peu la plaque. On voit que ça commence par un X. D'accord, okay, ouais. Ça finit par un 4. Pas le reste. Les caméras de surveillance étant pas de très bonne qualité. Ce véhicule, un Ford Raptor noir, serait l'un de leurs véhicules principaux. Sur cette photo, un seul individu habillé tout en noir. Votre but va être d'enquêter sur ce groupe et pour essayer de retrouver toutes les motos qui ont été volées, sachant que dans l'eau, il y en a une qui m'appartient. Donc, hein? C'est pour ça qu'on va faire de cette affaire une petite affaire personnelle. Je compte sur vous, sur votre efficacité. Dis-toi gros, c'est comme si c'était fait. C'est comme si ce soir et les sauces... Alors on recommence, comme vous voyez, s'il vous plaît. Ouais, bah dites-vous, c'est comme si ce soir ils sont sous les barreaux, allez, demain. Grand max demain, grand max. Et vous avez déjà checké sur des sites, ils revendent qu'ils ont volé ou quoi? On a peut-être des annonces, mais c'est pas sûr. Ok, bah du coup, commandant, comme d'habitude, quand on se met sur une enquête, on coupe radio, on coupe tout, on se fait discret, on est des citoyens lambda, et je vous appelle sur votre numéro privé en cas de grosse galère. Allez, c'est très bien, on fait comme ça. On compte sur vous, sur celle-là. Ouais, vous inquiétez. Et ah vous, bah oui, d'ailleurs, ouais, si, pour la calvasse, on a un numéro pour vous, d'ailleurs, si vous êtes chaud. Alors, je suis toujours en mode supérieur. Il va falloir apprendre les règles de base du respect. Votre femme, elle vous aime pour votre beauté ou pour votre argent? On va peut-être y aller, nous. Merci, commandant. Merci, commandant. À bientôt. Allez. Ouais, au revoir. Au revoir. Allez, ciao les gars. T'as vu, c'est genre, il a dit on a réussi que deux trucs et tout. Mais non, mais ça genre, c'est du fake. Parce que Théma, dernière fois, ils nous ont donné. Aïe, attends, la porte elle est lourde. La dernière fois qu'on fallait attraper les mecs dans les quartiers, on a. Ouais, bon, ceux-là. Après, ils couraient vite. Ils étaient rapides. Après, la M4, quand il s'est fait voler devant nous. Bah, ça, on s'est pris un poteau, mais ça, c'était pas de notre faute, les pneus, ils étaient lisses. Bah oui, voilà. Après, le petit à la sortie d'école, quand il s'est fait voler son goûter. Ils avaient 12 ans, les mecs qui nous ont volé le goûter. Bah oui, aussi, du coup, on pouvait pas. Voilà, c'est ça. C'est... Bah non, en fait, c'est trop compliqué les enquêtes. Ans, donc, Bah oui. Faut qu'on trouve un plan. On fait quoi? On va à un cybercafé, on va faire un truc comme ça, trouver. Tu prends ton PC portable là. On va se poser, je pense, tranquillement. Et on check tous les annonces qu'on trouve. Ouf. T'inquiète. C'est la rue, c'est la rue. Avant, on aurait pu faire ça au commissariat, je pense, directement. Oh, mais c'est pas grave, j'utilise l'ordi. Vas-y, check un peu les annonces qu'on a, là, et... Je vais voir ça, là. Vas-y. Le bon choix. Le bon choix. Oh, je pensais que ça allait être plus facile, je pensais qu'on allait avoir deux résultats, attends, comme sur attends, Google, sur tu la sais. Sur la photo, c'est une KTM. Attends, vas-y, je l'appelle. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle, c'est pour l'annonce sur le bon choix, pour la moto. Oui, je vais savoir si elle était toujours à vendre. Oui, on peut se donner rendez-vous assez rapidement aujourd'hui, là, dans la journée. Ah, c'est pas vous. Vous pouvez me rappeler d'ici 5-10 minutes, si vous voulez. Ok, bah, j'attends votre appel. Merci, au revoir. Ma vie. Ça a l'air d'être un de ces cassos, le mec. Il t'a dit quoi, du coup, dans 5 minutes, il te rappelle? Ouais, regarde s'il peut se libérer, là, et il me rappelle. On fait quoi? On fait comme la dernière fois. On ouais, va sur le parking. Ouais, bah, aller là-bas. Tu lui donnes un rendez-vous. Comme ça, nous, on est déjà là-bas. Et on voit un peu comment ça se passe quand à l'arrivée, quoi. Comment on arrive avant eux, tu vois.
Ça se peut, c'est pas ça, ça se peut, on se trompe et on se juge quoi. J'attaque, il rappelle. On y va toujours. Et après, dès qu'il rappelle, tu lui dis de venir maintenant, c'est ça, voilà. Comment ça se passe trop bien là déjà, tu vois. Le commandant, il va être trop fier de nous. Hein. Comme d'hab, bah là, je sais pas pourquoi il est vénère comme ça. Mais je comprends pas. Des fois, on va dans son bureau, il rigole, il est tranquille. Et des fois, je comprends pas. J'ai l'impression, il est grave bipolaire. En fait, on sait pas quand on va le voir, on sait pas comment se comporter. Attends, tu m'appelles. Vas-y. Oui, allô ? Oui. Oui. Alors, on peut se rencontrer ? Alors, ouais. Little Séoul. En face du coiffeur. En face du coiffeur. En face du coiffeur, là-bas. Ok, bah, je vous attends là-bas. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Vas-y, ramène la bécane et tout. On pourra la tester. Ok, bah vas-y frère, on se met là. Bah on fait comme la dernière fois qu'on a amené l'enquête pour les deux voitures là, hop. N'empêche le commandant, s'il reparle comme ça la prochaine fois, en le montant en l'air. Là c'est comme son bras droit là, monsieur Calvas là. Ah je peux pas le voir celui-là. Il a oublié que c'est nous qui lui avons tout appris et tout. Oui. Non mais ça y était maintenant parce que c'est le pote du commandant, tu vois. Bah monsieur prend la grosse tête. Ouais, non, mais c'est ça. Franchement, ça dégoûte les humains des fois, c'est abusé. Oh, les gens comme ça, heureusement qu'on n'a pas à travailler avec eux, qu'on peut travailler en solo et tout. Attends, TTE là 4x4 Nord là, ouais. Ouais, y'a moyen. Ça, c'est une gonzesse là. C'est t'as parlé une meuf à un mec, toi, du coup, j'ai même pas. Ah, un mec à un mec. Ah ben non. Non, c'est pas ça. Hey, mais attends, imagine, c'est une moto volée, qu'est-ce qu'on fait? Si on le sent pas, le mec, on dit qu'on le rappelle, tu vois, et puis on essaye de le suivre, voir où il nous ramène et tout. Ou sinon, pour pas faire repérer, on s'en bat les couilles, on prend. Parce que déjà, on va voir, imagine, c'est une moto volée, est-ce qu'il aura les papiers? Bah, normalement, non. Sauf si peut-être c'est des génies et ils vont modifier les papiers, genre. Et on les verra si c'est pas des vrais, ça. Et de toute façon, si on crame, on se dit choc à pic. Comme ça, on sait que le code, c'est ça. Si on dit choc à pic, on le plaque au sol. Non, et tout, non. Et objectif, si tu vois le Raptor, prendre la plaque au max. Ouais, bah ça va être compliqué, mais ouais. Si on le voit là, peut-être, on sait pas, imagine, c'est eux, ils sont cons, ils viennent avec le Raptor carrément, genre. Ah, s'ils viennent avec le Raptor, mais comment c'est trop. C'est des teubés. Oh, regarde à droite. Oh. Attends, non, ça se peut, c'est juste un mec lambda qui passe. Ouais, je pense. Oh, tes mains. Tu crois qu'il y a pour le rendez-vous? Attends, y'a pas de moto, y'a rien. Attends, ça se peut, on devient fou, frère, on nous a parlé de Raptor, tous les Raptors, on va croire que c'est ça. Ouais, je pense qu'on pète un plomb un peu. Ah. On demande à celui-là, peut-être? Et peut-être c'est eux? Ouais. Bonjour? Bonjour! C'est vous pour la moto? Ouais, c'est nous. Vous vendez quoi comme moto du coup? 450. Une 450. Bouge, je vais taper gros toi. Les portes, je peux pas là. Mon stagiaire. Ah, ok. Oh, mais donc c'est plus qu'une 450 ça. Ouais, mais. Ouais. Vous êtes sûr que vous y connaissez en moto? C'est. Oui, c'est un 690 celui-là, vous inquiétez pas. Ok, ok. Et du coup, c'était votre moto à vous, personnelle? Non, négatif. C'est pas une première main alors? Normalement, si, c'était une première main. Mais elle était pas à vous la moto? Non, bah non, elle est pas à moi. Ah, vous faites quoi? Vous faites que revendre vous? Exactement. Et est-ce que vous avez les papiers, les factures de l'entretien, tout ça? Oui. On peut les voir? Ouais, y'a pas de problème, je vais chercher. C'est dans la boîte à gants. Et sinon, vous avez déjà roulé? Ouais, vous avez déjà roulé? Vous avez déjà testé? Non, moi c'est les camions qui m'intéressent, pas les motos, mais. Ok. Parce que j'en ai entendu, elle est bien en plus celle-ci. Ça marche. Ouais, ça m'a l'air. Ouais, c'est pas mal. Un peu de détache de choc à pic vers ici, je pense. Ouais, un peu de choc à pic. Le nom du propriétaire. Je vais aller faire un petit tour, tu négocies un peu le prix pendant ce temps. Vas-y, tu peux faire un petit tour. Je vais juste voir comment elle fonctionne. Et... Vas-y, au pire, tu sais ce que tu fais comme parcours là, quand tu pars? Non. Tu vas en face, vas-y. Tu fais gauche, après tu reviens, voilà quoi. Ouais. Vas-y. C'est plus activé la PS. Du coup, c'était combien votre prix? Parce que moi, j'ai même pas capté le prix. Négociable ou au dernier prix? Si, vous serez prêt à descendre à combien vous? C'est vous qui me souhaitez négocier. Les stagiaires, ce serait quoi le meilleur prix pour vous de cette moto? Moi je négocie pas, moi c'est. Allez, stagiaire, quand même! Voilà. C'est vous qui souhaitez négocier. J'y connais rien en moto. Mais. C'est carré, ça pousse, ça va, pas de problème. Ouais, ça pousse bien, ça roule bien et tout, pas trop de bruits bizarres. Okay, juste, il y a le bloc guidon, il est pété, c'est normal. Le guidon qui est pété? J'avais pas d'impression. Ouais, pourquoi il m'a l'air pété le bloc guidon? Bon, mais comme nous, on en a pas parlé. Du coup. 13 009, on va descendre du coup, bien là. Enfin, on va encore descendre un peu, ouais. Attends, j'ai ma cousine qui m'appelle, je reviens. Vas-y. Allô? Ouais. Mon téléphone là-bas. Ouais, ça dit quoi?
Ouais, bah là je suis en affaire là, on peut se rappeler dans 5 minutes. Je suis en train d'acheter une moto, ouais, une petite moto là. Et bah je te rappelle après de toute façon, parce que c'est le truc qui veut une moto. XP644. Bah voilà, nickel, bah au pire on fait comme ça, au pire je t'appellerai dès que j'ai fini. Nickel, j'ai pris sa plaque à ce fils de pute. On est malin, on est pas malin hein. Je viens de contacter mon mécano. Ouais. Le prix du bug guidon, il coûterait à peu près 223€ en passant directement par lui. 12 009, un chèque en bois direct. Non, un vrai chèque. Un vrai. Un chèque de banque, un chèque de banque. Vous êtes du liquide là ou pas? Bon, on a payé un peu cher, mais. On a une bonne bécane quand même. Faut les follow, Vas-y, tu prends la bagnole ou. Vas-y. Vas-y, je prends la moto. De toute façon, t'es radio? Ouais. Follow le raptor. Attends, peut-être ils vont dans la même direction. Vas-y. Ouais, attends. Ouais, follow le raptor, vas-y, go toi, go. T'es moins cramé, je pense. T'as la camionnette en visu? Non, mais on va suivre le raptor, je crois, ils sont ensemble. Il est arrivé un peu avant et il repart direct quand il est parti. J'ai check la plaque, ça commence pareil et ça finit pareil par contre. T'as vu, il est tout au bout là, il est au-dessus. Il a tourné quelque part ou... Non, ah ouais, là il tourne à droite. Ok. Je vais aller de l'autre côté. Toi, prends la même route que lui et dis-moi si tu le vois qui s'arrête quelque part. Attends, il s'arrête. Il a tourné dans la rue, il s'est garé. Oh ouais, il s'est garé là. Attends, je vais pas que la moto. Tu peux me dire, il est situé où à peu près? Au milieu, au début de l'entrée? Ouais. Un camion, juste après le camion. La maison, elle est juste après le camion. Il y a un camion garé. Un gros camion ben là? Ouais. Donc il y a le Ford Raptor. Je vais essayer de voir si je capte autre chose. Par contre, je vois plus la camionnette. Hein. La camionnette, elle vient d'arriver. Elle arrive. Ouais, elle vient d'arriver. Attends, il est au même endroit que le Raptor? Essaye de voir si t'arrives à l'arrière de la maison, toi. Ah ouais, ça je pourrais, je pense. Il y a personne devant, je peux. Si je passe, il me voit pas. Enfin, après, là, moi je vois personne. Mais... Je vois personne là. Après, j'ai pas non plus visu sur tout. Je suis sur le côté. Ok, à l'arrière de la maison, il y a une BMW. Par contre, je pourrais pas te dire c'est quel modèle. Prendre la plaque qu'on envoie ça à la centrale. Je peux pas voir la plaque, il y a une poubelle juste devant, frère. Ah, j'ai un visu sur eux. Il y en a trois entre le pick-up et le master là. Ils sont au même endroit, ils restent à côté, ils bougent pas. Ouais, non, là ils chatent, je sais pas trop. Ok, je vais essayer d'aller complètement à l'arrière de la maison. Je serai proche de la BM et je vais voir si je prends des photos. Fais gaffe, j'ai vu un mec torse nu là se balader vers l'arrière de la maison. Alors fais gaffe, te fais pas repérer. Il y a une BM, une C63S et le Raptor. La C63, elle a pas de plaque à l'arrière. Il n'y a pas de plaque à l'arrière de la C63, il n'y a pas de plaque. Et tu sais ce qu'on fait? Vas-y. Ils opèrent de nuit. On reste en planque devant chez eux ce soir, toute la nuit. Ça va faire beaucoup d'heures, ça. Ah bah par contre, on est dans la merde, on dort pas. Ça veut dire là, café. Je te laisse payer le café, alors. Flamme un peu, hein. Le commandant, il paye, de toute façon. C'est lui, il nous a engagé, ce bâtard. Vas-y, bon, on mettra note de frais, t'avances la thune, et on fera note de frais après. Oui. Si on n'arrive pas à attraper ces mecs-là, je te bute consciemment. On sait qu'on est nul. Aïe. Fais gaffe au bas de caisse, ça coûte cher une R6. Ouais, c'est bon, on ira chez le carrossier vite fait après. Par contre, on fait comment? Parce que si on se met en planque ici et qu'ils partent de l'autre côté, on l'a dans le cul, tu vois. Là où le GPS s'arrête, il faut aller là-bas. Comme ça, on les a de haut. S'ils descendent, on les voit. Et s'ils montent vers nous, on est mort. Tu penses qu'ils vont se dire cette R6, c'est nous? Non. Je pense que si on se gare là, ça passe. Ouais, mais toi là... Discret. Fais-toi pas cramer, wesh. Ben, je vois personne. Je suis chez quelqu'un, je suis tranquille. Ouais, ils sont toujours là, le master il est là, on est d'accord. Bah, les voitures elles ont pas bougé, donc je sais pas ce qu'ils font. Bah, on a plus qu'à attendre maintenant. Il monte encore une heure ou deux, ils vont reprendre le jour. Ah, ça bouge. Je me cache, attends, je suis caché dans le buisson. Bah, viens vers moi. J'ai 3 jours à faire demi-tour. Ça descend. Non, ça descend. Tu vas me récupérer en descendant. Ah, mais faut qu'on voie partout, hein. Ouais, t'inquiète, regarde bien. Vas-y, go. Allez, go. On les a perdus là, non? C'est bon. Ouch. Allume pas les phares, allume pas les lumières. Ah, mais on est une voiture blanche, ça, merde. Garde bien contre, les autres non plus ils nous voient pas. Oui bah oui du coup vu qu'on a un truc tout coupé. Prends la prochaine à gauche. Ouais vas-y à gauche là et à droite.
Ok, tu les vois au fond? Ouais, ouais. Ils ont ouais. grillé le feu. Hein. Ok, ouais, ils ont pris à gauche. Ils commencent à rouler vite, hein, ouais, à gauche. Okay. À gauche et okay. après à droite. Ok, attends, non, attends, attends. Commence à rouler, hein. C'est un cul-de-sac en plus, ces petits trucs. Oh, regarde à gauche, là, ils sont là. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. On peut pas aller au niveau du muret ou à les escaliers là-bas? Tu restes là, moi je vais de l'autre côté. Vas-y, vas-y. Tu me dis si ça bouge ou quoi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de toucher, mais ils touchent un truc, frère. Ah, je peux pas, il y a un guetteur. Ah, t'entends? Ouais, c'est une moto. Il y a une moto, une moto, une moto, une moto, une moto. Il y en a deux. Il est chargé. Il est en train de charger la moto. Ouais, il est rentré. Il commence à revenir. Ok, ils ont fait rentrer une moto. Prends des photos pour le commandant, prends des photos. Oh, vas-y. Si. Ben, quelques-unes. Ah, ça commence à remonter dans la bagnole. Oh okay. Ça part. Oh, va à droite. Ralenti. Là-bas derrière, ils sont allés. Ok, ils sont à droite. Je veux récupérer toutes les motos qu'ils ont volées, vu que le commandant, il a dit une de ces motos a été volée. Attends, le Raptor, il est devant, là? Ouais, il est devant. Il roule en convoi. C'est une équipe bien organisée, c'est... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, hein. Mais clairement, frère, ils arrivent, ils prennent, ils partent. Personne les voit. Oh là là. Pas chez eux, là, par contre. Si, c'est la même rue qu'avant. Non. C'est la rue d'après. Ils sont pas chez eux, là. Ah, ouais? Ils habitent au-dessus. Mais c'est bizarre. Il y a le Raptor. Oh, il y a des garages là. On va là. Ouais, comme ça, il est bien, on est planqué. On a pas un visu d'ici, on est trop loin. Ouais, on est trop loin, il va falloir avancer. Vas-y, je traverse. Ouais, ils ont refermé le garage, je crois, ils ont rangé les motos dedans. Tu les as vu rentrer les motos? Ouais. Les laisse partir, et on rentre. Ok. Remonte dans la camionnette. Ça part. Remonte dans... Hey, regarde s'ils vont en face, s'ils vont tout droit, ils partent chez eux. Ouais, j'ai l'impression qu'ils rentrent chez eux, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on regarde s'ils ont des trucs? À ton pied de biche? Ouais. Et on descend tranquille, au niveau des poubelles, au calme. Y'a des gens derrière moi. Ça peut très bien être chez nous. Vas-y, je guette autour. Je te laisse ouvrir le garage. Y'a personne qui nous regarde, hein. Ils sont tous de dos à nous. C'est bon, j'ai réussi. Wesh! Attends, quoi? Ils ont volé ça ce soir? Chef. Commandant, je dis ça, je dis rien, vous nous avez donné une mission, on l'a respecté à la lettre. On a tout ce qu'il faut en 24 heures. On n'a pas dormi de la nuit juste pour vous et votre moto à vous. Oui, enfin en attendant... On a pris la mission très à cœur. Oui, mais on sait, ils habitent où? On sait à peu près à quelle heure ils commencent à voler les motos. C'est la nuit. Du coup, le jour, ils dorment chez eux. Peut-être. Oui, peut-être. Après, moi, ce que je dis, au lieu de rester là à rien foutre, comme certains qui ont une calvitie. Pardon ? Peut-être qu'il faudrait aller là où ils ont planqué toutes les motos et voir dès qu'ils arrivent pour essayer de les bloquer et les interpeller tout simplement. Parce que je pense qu'ils vont revenir. Ils ont volé les motos hier, ils les ont déchargés, ils sont même pas restés, ils ont laissé tout là-bas. Mais vous êtes certain que ça va payer ou... dis-moi toi. Bah oui, allez là. Ça veut dire que si ça paye pas, je fais quoi? Je vous vire. Hein ? Hein ? Non ? Donc quel serait votre plan exact au détail près ? Au détail près, on va... à la position de leur garage où se situent tous les motos volées, on se met en planque et dès qu'on voit soit le Raptor, soit le Master, soit la Mercedes, soit la M3, on fonce sur eux, on les bloque et on sort et on les interpelle. D'accord. Déjà, on pourra montrer à tout le quartier qu'on n'est pas des merdes. Parce que je pense que tous les habitants sont conscients de ce qui se passe. Aïe ! Tu recules. Punaise, tu parleras plus comme ça, toi. Ah, ça mais il a mal parlé, je sais pas si j'ai habité dans le quartier. Je vais t'attraper, fils. Vous savez quoi, faire un truc, vous allez vous mettre au bois droit du bureau et vous restez là. Okay. Nickel. Ah, du coup, je disais, commandant, parce que en fait, la plupart des gros fils de merde qui ont grandi dans ce quartier qui pue la pisse, et ben c'est devenu que des snobs qui font des trucs en cachette. Et toi là, aïe. T'arrêtes ça là, je t'ai dit. Vous écartez tous les deux, c'est bon, suffit. Vous sortez, allez. Dehors. Oui. Vous allez prendre l'air.
Putain, m'énerve celui-là. Et moi, pas mais je sais pas, ce qu'il a. Dès que je parle un peu du quartier, il s'énerve. Surveillez vos langages aussi. Sur vos mots, il est fort aussi. Donc... Oui, mais après, c'est pas de ma faute. Mais vous verrez, la gueule des gens qui ont grandi dans ce quartier ressemble à rien. Qu'est-ce que ça peut faire là, vu qu'ils ressemblent à rien, ils se prennent pour je sais pas qui alors qu'ils ressemblent à des jeunes qui lassent. Eh, Pep. Vous faites demi-tour, je vous ai pas dit d'entrer. Oui. Vous allez devoir nous obliger à monter un dossier. Non, non, c'est bon. Mais après, c'est pas de ma faute si c'est des cassos quand même. Faut dire ce qu'il est, au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux et dire la vérité. Hein. Il faut mieux, des fois, genre, accepter et regarder en silence. Oui, après, en silence, ça oui, je vais pas dire sur les réseaux sociaux ce que je pense de ce quartier, mais à vous, je peux vous dire à vous ce que je pense, quoi. Je sais que ce quartier est risqué. Mais... Et notre mission aujourd'hui peut être très... Pourquoi tu fais du mal à une plante ? Votre collègue était de ce quartier ou... Peut-être, mais j'ai oublié, c'est une info qui reste pas dans ma tête, quoi. Vous êtes en sérigraphie, donc je vous laisserai enlever votre casquette, s'il vous plaît. Je suis obligé de faire un plaquage italien pour les cheveux, sinon ça pousse pas droit. J'ai des épis. Mais c'est pas mon problème, ça. C'est bon, je suis prêt à aller en guerre. Je vous le dis comment, cette fois-ci ? Vu qu'on est de la BAC, il faut pas qu'on me crame en sérigraphie. Non. Je vous ai mis 4 véhicules à disposition, 2 BMW M5. Et deux Ferrari 458 Italia. Des véhicules assez puissants qui ont été reprogrammés spécialement pour nos services. La voiture incroyable, hein, je valide. Hein. Ah bah encore heureux qu'elle soit incroyable vu le prix que ça coûte. D'ailleurs, adjutant. Oui, j'écoute. Cette opération, vous serez affecté en patrouille Alpha, d'accord ? Alpha, ça marche, bien reçu. Également, adjutant, vous serez en Bravo. B comme BG. Et vous, Alpha, très bien. Je vais ah, comme... Abruti. Aïe! Et par contre, le commandant il met des vraies patates de forain, pas comme une s*** qui est dans une BM. Parle mieux. En voiture. Là, c'est la guerre. Là, si on n'attrape pas des bandits, je vous dis, on est des pites. Mais logiquement, on est des professionnels. D'Oscar, c'est au cas où des véhicules présents partent en course poursuite. Je vous laisserai mettre une BM et une Ferrari par véhicule. Je sais pas les mettre en avant, mais bon. Monte dans la rue là, voilà, dis-moi si tu vois un truc. Y'a une BM devant. Moi je dis, s'il y a une voiture devant, on y va, on l'attrape. Si on attrape une personne, on pourra voir les autres. Allons-y. Allez. Je prends la Mercedes, je suis au-dessus, de l'autre côté. Ouais, la Mercedes. J'ai la BM. Vas-y commandant, je vous suis. Comment il bombarde le bâtard. Bon, moi je reste derrière. Au moins s'il met des feintes, t'as capté, professionnel comme on est. Ça follow. Par contre, il a une belle accélération avec sa C63 quand même. Quand ça part, hein. Putain. Ok, bon, il fait des virages du coup. Ouais, on peut le suivre facilement. Il a du mal, hein. Je sais pas, je crois, il a pas de plan en tête là. Oh, il y a la Brinks. Dommage, on est en police. On a droite. Je reste sur la gauche, je vous laisse le suivre, commandant. À droite. Il est sorti, je l'ai raté. Là, faut pas le perdre, là c'est très dangereux, là. Je suis perdu, je pense. Il va descendre. Et puis il descend. Ouais, pareil, moi je... J'ai vu couper sirène. Bon, info, nous, au niveau du PDP, derrière la C63. Suivez, nous, véhicule perdu, niveau échange à l'aéroport. Je vous laisse chercher un peu dans la zone, sinon venez sur nous, au pire. Les deux voitures sont sur nous, on est construction, qu'on cesse. Mercedes planté, on est sur lui. Descends de ta voiture, les mains sur la tête, dépêche-toi. Que je le prenne. Si vous voulez me retrouver sur les voies du tramway et continuer vers l'ouest. Vous pouvez me suivre, monsieur ? J'arrive. Je sais pas du tout où vous êtes, du coup. Ça prend autoroute. On est sous l'autoroute. En face de vous ?
Repart vers le centre, ouais. Club de striptease pour Bravo. C'est pour les voies du tram, contresens. Ça va, Charles? Bon, je suis, hein. Ah, bâtard, il met des... Ah, bâtard! Ah, l'enculé! De Charlie, ça remonte au niveau des voitures. Train. Ah, bâtard! Là, c'est mort. Là, s'il a tourné, c'est fini pour moi. Ah, c'est fini pour moi. Ah, bâtard! Eh, mais... Il joue avec moi, ce fils de pute. Allez, je me concentre, je vais le baiser. On se dirige vers là où il y a les conteneurs, là, les docks, je crois. Ouais, on va vers les docks, on est dans les docks. Ouais, ok, je me rapproche. J'essaie de me rapprocher. T'as cru t'allais me la faire, fils de putain? On rentre dans les docks, on fait le malin, hein, petit bouffon. Ah, bâtard. Ah, fils, je suis un bouffon. Oh, je suis un bouffon. Je pars, mais je vois rien. Je l'ai perdu dans les docks. Et le commandant? Ah bah on est tous là. Restez là, j'ai cru avoir le... Ok. Alpha de Bravo, des infos. Là. Négatif, je l'ai perdu dans les docks. Le commandant m'a dit qu'il a cru peut-être voir quelque chose, il est parti voir. Le véhicule est retrouvé dans les docks. Vous pouvez nous situer à peu près? Ouais, restez avec les sirènes. Un petit bouffon! Ah bâtard, je vais le démarrer sa race. Tu me chopes pas, t'as pas de force. Je vais te fils de pute. Non, mais votre père il me tire dessus. Remonte, hey, remonte si tu vas voir la vie sauve. Vas-y. Ah, fils de pute! Ah ouais, la M5 elle suit pas, hein. T'as le bâtard, va! Qu'est-ce que tu me fais, toi? Écartez-vous. Donc, je chauffe d'ici, tu vois. Oui, dites-moi. Du coup, on part sur zone, comme ça, vous constatez toutes les motos qu'ils ont dans leur garage. Allez, on va faire ça. On va faire ça, et puis après, ben, on appelle les dépanneurs, ils reprennent les motos, hein, tout simplement. Très bien. Nickel, ouais, mais on retourne sur zone, on se suit. Oh, c'était joli! On y va, ah, c'était beau! Aïe! Oui. Par contre, la BM, elle est vraiment. Ouais, quand elle part, elle part. Dinguerie, frère. Vas-y, bravo, on vous suit. Ah putain, ça c'est une mission rondement menée. Là on a de l'air, hein. Ah, on peut bien respirer là. Là c'est sûr, je respire bien. Il va bien votre véhicule? Ouais, c'est un détail ça. C'est quel garage? En face de nous là. C'est encore ouvert, je l'ai forcé l'autre jour. Et voilà, oh, le plaisir de vos yeux. On n'est pas en photo de mon visage. Wesh la famille, ouais, c'est le D. Ah, j'espère que vous allez bien l'équipe. Là on a attrapé un gros fils de qui volait des motos. Et on va le poser sa mère à la gendarmerie. Je fais une petite story pour vous dire, bande de bâtards, que là on attrape... Aïe.